Filmer pour samedi et dimanche, puisque vous avez dû voir hier que je suis pas venue, mais je vous l'avais dit hein, que je viendrais certainement pas et samedi et dimanche. J'étais même pas sûre de venir non plus aujourd'hui, mais en fait ça m'a manqué de pas filmer hier, donc j'avais envie quand même de faire un petit coucou aujourd'hui. Alors le 20e vlog du coup, déjà punaise, ça passe trop vite, trop vite. Et je pense que vous savez qui je suis du coup si vous êtes là, Angélique, Mademoiselle Angélique Knit, sur Instagram, sur Ravelry et ici même. Et je me suis lancée dans les Vlogtober, voilà. Donc on va parler un petit peu tricot aujourd'hui. Alors vraiment pas beaucoup parce que le week-end il a été chargé. Je vous avais dit que hier on devait récupérer une livraison de meubles et rien ne s'est passé comme prévu parce que sinon c'est trop facile et c'est pas rigolo hein. Donc il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Au final le meuble qu'on attendait n'a pas pu être livré parce que ça ne passait pas, les livreurs ils ont dit que ça ne devait pas passer, donc ils sont repartis. On doit prendre un autre rendez-vous pour qu'ils reviennent livrer, mais cette fois à 4, tout en étant pas sûr qu'ils arrivent à faire passer le meuble. Bon, on verra bien. Donc du coup je n'ai pas mon meuble tant attendu, mais j'ai quand même récupéré du coup mon fils hier. Et le pauvre, vu que rien ne se passait comme prévu, il est arrivé à la gare, on n'était pas encore là. Et il a dû nous attendre pendant près d'une heure, donc c'était un peu les boules, mais là on n'avait vraiment pas le choix que de faire comme ça. Donc on l'a récupéré hier, voilà. Il est à la maison pour presque un mois, donc c'est cool. On va pouvoir faire plein de choses. Et puis du coup hier j'ai pas, il est arrivé, je me suis dit que j'allais pas prendre du temps pour venir filmer, surtout que du coup j'avais rien de spécial à vous dire ou à vous montrer, donc c'est pour ça que je suis pas venue hier. Et aujourd'hui, c'était une très 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 bonne journée. On est parti ce matin se balader sur la plage. C'était super agréable, il faisait très bon et c'était, l'ambiance était vraiment différente de quand on peut aller à la plage en pleine saison. C'était calme, c'était apaisant, c'était trop bien. Vraiment, j'avais qu'une envie, c'était de faire une petite sieste sur la plage ou de tricoter tranquille. Mais bon, on n'a pas non plus pu rester toute la journée puisque
Il y a un de mes fils qui avait un anniversaire chez un copain, donc on a dû rentrer pour l'emmener. Donc on a écourté un petit peu notre balade, mais bon, c'était quand même. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a permis de se ressourcer un petit peu, c'était vraiment vraiment chouette. Puis du coup, bah, cet après-midi, j'ai préparé un flan pour le goûter, et puis on a été se balader un peu dans le village où il y avait une exposition de voitures anciennes, mais bon, quand on est arrivé, c'était déjà un peu la fin. Donc on a fait un petit tour, on a récupéré notre fils à l'anniversaire, et on s'est baladé en voiture dans le village, puisque en fait, ben, nous on est dans le centre du village, mais sur toute la périphérie, en fait, il y a des maisons en hauteur, dans la forêt, dans les vignes, tout ça, mais des maisons, des villas, quoi, des trucs vraiment comme on voit dans les films, les trucs qui font rêver, mais juste rêver, hein, on sait que c'est pas accessible pour nous. Donc on s'est promené un petit peu, voir tout ça, c'était vraiment magnifique, magnifique, on a vu. Des maisons, voilà. Et on avait aussi une vue, vu qu'on était tout en hauteur, on avait une vue, mais magnifique. Ouh, ça a vraiment fait du bien. Et puis bah là, on vient tout juste de rentrer, donc je me suis dit, je vais quand même aller filmer un petit peu, leur faire un petit coucou. Et j'ai quand même deux, trois petits trucs à vous montrer. Alors, je vais commencer par ce matin. Quand on est parti du coup pour aller se balader à la plage, bon, on a quand même un peu de voiture à faire. J'ai pris mon châle Simple Bliss, je voulais l'avancer. Et puis je me suis dit, c'est cool, je vais pouvoir faire 2-3 rangs dans la voiture. Sauf que là, du coup, je suis dans ma deuxième section de dentelle et j'en étais au rang, bah, au rang où on fait les petits trous en fait avec les jetées, etc. Et j'arrive à la fin de mon rang, je me dis c'est bizarre, il y a quelque chose qui va pas, mes petits trous-trous, si vous voulez, en fait, ils sont tous au même niveau, quoi, les uns au-dessus des autres. Et là, je me dis c'est bizarre, mes trous, ils sont pas les uns au-dessus des autres. Je dis j'ai dû me tromper, parce que bah, mon chéri, il me parlait en même temps, et je dis j'ai dû me tromper. Donc je démonte quelques mailles, je regarde, je cherche mon erreur, je dis j'ai dû me tromper ici, je démonte quelques mailles. Et je me dis non, ça va toujours pas. Et en fait, je me suis trompée sur le rang de dentelle précédent. Donc en fait, moi je suis en train de tricoter là et je me suis trompée là. Voilà, parce que là, j'ai une section de trous ici, là, qui est beaucoup trop longue puisque j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 11. J'ai 11 trous au lieu d'en avoir 6. Donc je sais pas ce que j'ai fichu sur ma rangée précédente. Et comme après c'est que des rangs en droit, des rangs en vert où on compte rien, je m'en suis pas rendu compte. Et c'est là que je m'en suis rendu compte du coup parce que bah, ça coïncide pas. Vous voyez, j'ai même pas fini mon rang parce que j'ai démonté plusieurs fois et je trouve pas. Et si je fais si je dis tant pis, je continue mon rang comme je dois le faire. Et puis bah ça coïncidera pas sur une rangée, tant pis. Mais en fait, je comprends pas parce que malgré le fait que je me sois trompée, toutes les autres portions en fait de trous, ça correspond à peu près quoi, les unes au-dessus des autres, sauf à partir de là où il y a l'erreur. Enfin, j'arrive pas à me réaligner et je n'ai pas envie clairement de redémonter. Ben jusque-là, parce que je sais que j'arriverai pas à retrouver les mailles. Là, je peux pas passer un fil de survie parce que, avec les CDSSK et des mailles ensemble, j'arriverai pas à m'y retrouver, c'est certain. Et je sais que si je fais ça, je vais tout perdre. Il faudrait que je redémonte jusque-là, en fait, avant la rangée d'œillets, pour être sûre de m'y retrouver, mais j'ai clairement pas envie, quoi. Donc il faut que je me replonge à tête reposée, que je regarde un peu où j'en suis, que je recompte, que je calcule, voir un peu comment disposer mes trous-trous, et puis après ben, repartir sur à peu près une bonne base. Mais je sais que j'aurai un gros défaut dans mon châle. Après, bon, quand il sera sur moi comme ça, porté, ça se verra pas qu'il y a une rangée de trous qui n'est pas alignée, quoi, c'est sûr. Mais moi je le saurai. Et je me dirais, ouais, quand même, mon beau châle, il a quelque chose qui va pas.
Mais bah, j'ai vraiment trop peur de démonter et puis de perdre mes mailles, de ne pas réussir à rattraper. C'est quand même risqué, quoi. Très risqué. Donc voilà, donc au final, j'avais pris mon tricot dans la voiture. Au final, j'ai rien fait puisque bah, tout le rang n'est pas bon. Il faut que je le démonte et puis que je reprenne du début et voir comment je m'aligne. Donc au début, ça va, hein. Au début, ça correspond. Mais forcément, après, bah, vu que j'ai 10 trous au lieu de 6, bah, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui correspond, quoi. Ça m'embête, mais bon, bah, tant pis, c'est tout. L'erreur est faite. L'erreur est faite. Donc au final, je ne l'ai pas avancé. Voilà. Donc ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Mon art nouveau. Alors, mon art nouveau, j'ai continué à descendre un peu le corps. Puisque j'étais sur la fin d'une pelote d'alpaca. Donc j'ai dit je finis la pelote, je continue de le descendre. Donc je ne l'ai pas encore essayé. J'arrête pas de vous dire, je vais le mettre sur des câbles pour essayer voir où j'en suis. Je ne l'ai pas encore fait. Mais là, je pense que là, faut vraiment que je le fasse. Hein, parce qu'avec les rangs de côte, bon là, vous ne voyez pas, mais je pense que là, je suis pas mal. Hein, parce que. Il y a les centimètres de côte à rajouter après. Faut vraiment que je le mesure. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai pris la manche. Donc là, je vais pouvoir enfin, avancer sur la manche, même si j'ai pas eu, pas pu finir le corps. Je peux pas vous le passer, c'est bête. Faut que j'essaye de le faire demain. Demain, je le mets sur des câbles et j'essaie de vous le passer parce que là, les câbles, ils sont trop courts. Si j'essaie de le passer, je vais tout faire péter, je vais perdre les mailles. Mais voilà, donc du coup j'ai pris ma manche et vous voyez j'ai avancé un petit peu. Bah tout ça en fait, hein, parce que ça s'était arrêté pile après le jersey. Voilà. Donc tout ce que j'ai en écru en fait, c'est tout ce que j'ai avancé sur la manche. Alors, pour la manche, en fait on doit relever quelques mailles, récupérer nos mailles qui étaient en attente et relever quelques mailles. On doit tricoter, je ne sais plus, un certain nombre de rangs. Et ensuite, on doit passer des diminutions pour la version manche longue que finalement j'ai décidé de faire. Je pense que, ouais, c'est mieux pour moi. J'aurais choisi la version manche courte, j'aurais déjà fini la manche. Mais bon. Bon, je suis désolée, on a été coupé parce que j'ai plus de place dans mon téléphone. Donc, j'ai pas vu exactement où ça a coupé. Donc on verra bien. Donc je disais pour la version manche longue, elle fait faire des diminutions et on est sur une manche fitée. Et avec ce modèle, j'ai pas envie d'avoir une manche fitée. J'ai envie, c'est pas une tache, hein, qu'on voit là, c'est un marqueur. J'ai envie d'avoir des manches ballon. Donc ce que je fais, c'est que je fais pas de diminution. Je continue sur le nombre de mailles que j'ai depuis le départ. Je continue tout droit et au moment de faire les côtes, là je ferai un rang de diminution drastique. Que je diviserai au moins certainement par deux. Et puis je ferai mes côtes bien resserrées pour avoir une manche un peu ballon. Parce que je pense que ce sera plus joli. Enfin, c'est une question de goût après. Hein. Mais moi j'aime beaucoup les manches ballon. Même si c'est vrai que ça gêne un peu dans les manteaux. Et j'aime bien. Donc c'est ce que je vais me faire. À moins que je fasse quand même déjà un tout petit peu de diminution. Parce que là je dois avoir. Que je dise pas de bêtises, j'ai quand même pas mal de mailles là. J'ai 86 mailles. 86 mailles, donc même si je le divise par deux, je serai encore à 43 mailles. 43 mailles pour les côtes, ça fait peut-être beaucoup encore. J'ai peur après d'avoir une manche bah, qui ballotte quoi, en fait. Donc je sais pas. Ou je ferai deux rangs de diminution juste avant la manche. Ça rouspète, hein. Les enfants qui sont fin de journée, énervés, fatigués. Donc voilà pour mon art nouveau. Ça a un petit peu avancé quand même, du coup, c'est chouette. Niveau chaussettes, bah, rien de nouveau. Là, j'ai pas remonté la chaussette de ma fille fantôme, là, ni la mienne. Bon, je rangerai ça après parce que ça fait du bruit. Mais j'ai fait. Donc vous aviez vu que j'avais bobiné mes écheveaux de Madeleine et Philibert rose là pour mon 8 mours cardigan. Quand je suis venue vous voir la dernière fois, j'avais même pas fini mon échantillon, mais là il est fait.
Voilà mon échantillon et c'est très 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 beau. Là, on voit bien la caméra, on voit bien la stellina. Ça brille bien, bien, bien. Mon échantillon impeccable. Donc, j'ai pu. J'ai castonné. J'ai castonné mon Whitmore Cardigan. Je suis trop, trop contente. Alors, je vais essayer de vous montrer. Sans faire de catastrophe. J'ai encore la voix un petit peu. Bon, je l'ai commencé hier. Hein, donc, j'ai pas. Voilà. J'ai fait les côtes pour l'instant. Les côtes du col en fait. Donc j'ai déjà fait ça. J'ai déjà fait une boutonnière en fait. Il y en a déjà une. Pardon. Il y en a déjà une au niveau du col ici. Et voilà. Donc là je vais bientôt attaquer la dentelle, je pense. J'ai pas. Je l'ai déjà fait une fois, mais j'ai pas revu le patron en détail. Vraiment, je suis le truc au fur et à mesure. Mais voilà, j'ai déjà fait toutes mes côtes. Donc. Avec des aiguilles plus petites en début et en fin de rang pour la bande de boutonnage. C'est un petit peu, voilà, il faut gérer, c'est circulaire, il faut gérer du coup, j'ai pas d'aiguille double pointe. Donc moi je prends des aiguilles de mes kits interchangeables et je mets des bouchons à chaque bout pour pas perdre les mailles, quoi, et ça fait très très bien le job, hein. Voilà, et cette fois je l'ai fait en taille L, parce que celui que j'ai là en rose pâle, chez Madeleine et Philibert aussi là, je l'ai fait en M. Il est un peu fité et là j'avais envie d'un truc un petit peu plus loose, un petit peu plus confort quoi. Et je sais pas ce que j'ai, je suis très très rose en ce moment. J'ai eu un commentaire qui me disait oh mais c'est chouette de regarder tes vidéos parce que tu te cantonnes pas tout le temps à la même couleur, on voit que tu oses, etc. Mais au final, il y a beaucoup de rose quand même, quoi. Dans mon Art Nouveau, c'est du rose. Là, c'est du rose. Dans le châle, dans le Simple Bliss, l'air de rien, il y a un peu de rose. Le pull de ma fille est rose. Donc en fait, tout ce que je vous montre en ce moment, c'est rose. Bon. C'est tout. C'est comme ça. Je vois que mon téléphone va bientôt recouper. J'ai plus beaucoup de temps pour filmer. Je vous montre aussi une petite chose. C'est que comme mon fils est là, je lui avais promis déjà l'année dernière de lui tricoter une paire de chaussettes et ça ne s'était pas fait. Et là, il m'en a reparlé quand il a vu que j'en tricotais. Donc il me dit, et moi, et mes chaussettes, etc. Donc je lui dis, écoute, on va regarder dans tous les patrons que j'ai. Donc on a regardé dans plusieurs bouquins, dans mes PDF, etc. Et en fait, il s'est arrêté sur celle-ci. Les chaussettes épicées de Charlotte Stone. Donc avec les chaussettes avec des petits piments. Ça va couper, c'est certain. Ça va couper, mais je reprendrai après. Donc il a choisi ce patron-là et il a fouillé du coup dans ma caisse de laine à chaussettes. Et il est parti sur de la Arweta grise foncée pour le fond. C'est le coloris 956. Pour les petits poivrons, la crème que et de l'ouest. En coloris 21. Et là, j'ai peur de ne pas avoir assez parce que c'est des petits pelotons. Hein. Il n'y a que 100 mètres, 25 grammes et j'en ai qu'un. Donc je vais tricoter la première et à mon avis il faudra que j'en recommande parce que j'aurai pas assez. Et pour les queues des poivrons, il a choisi un reste de louve, une louve dans les bois que j'avais utilisé pour faire un gnome. Je coupe et je vous reprends. Bon, et là ça veut bien me refilmer, je comprends pas comment que ça fonctionne, mais bon. Donc je disais le vert qu'il a choisi, c'est un reste de une louve dans les bois. Que j'avais acheté, c'était un mini pour faire le cal du gnome de l'année dernière, que finalement j'ai arrêté puisque ça ne me plaisait pas. C'était un cal mystère. Et au final, c'était un bonhomme de neige et pas un gnome, donc ça ne me plaisait pas. Et je ne l'ai pas terminé. Donc voilà, on est parti sur ce combo. Donc il va falloir que je lui fasse ses chaussettes épicées. Et quand ma fille a entendu ça, elle a dit, ouais, mais tu lui fais pas sa chaussette avant d'avoir fini la mienne. Je dis oui, mais je dis, dans un mois, il s'en va, il repart à 1000 km. Il faut qu'il ait sa paire de chaussettes avant de partir. Elle dit oui, mais tu lui enverras par la poste, c'est pas grave. Donc en gros, soit je tricote en mode Speedy Gonzalez pour lui finir sa chaussette à elle et faire la paire de mon fils, mais ça veut dire que moi, ma deuxième chaussette, elle sera dans les oubliettes. Ou soit je mets un peu ma fille en rogne. Et je fais la paire de mon fils pour qu'il ait avant de repartir.
Ou soit bah, elle sera pas finie et je lui enverrai un petit colis. Bon. On verra bien. De toute façon, en fait, le souci, c'est que j'ai regardé dans le patron de Charlottetown, elle donne pas le grammage. Elle dit un écheveau comme ça, un écheveau de rouge, un écheveau de vert. Un écheveau de 400 mètres, je me doute bien qu'il faut pas tout ça pour la paire de chaussettes, quoi. Mais bon. Et je n'avais que ça en rouge dans mon stage. Enfin, j'avais de la Arwetta rouge, mais soit elle tirait un peu sur le rose, ou soit c'était vraiment trop rouge, voilà, rouge coquelicot, quoi. Et là, rouge piment épicé, y avait que ça. Donc c'est tout, je regarderai. Je crois que j'avais eu ça chez Lily comme tout. Pour en recommander, pour être sûre d'en avoir, comme ça, le temps que ça arrive, je sais pas, je verrai bien qui va. Voilà. Donc bah voilà, hein, c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour aujourd'hui. Je suis sûre que j'avais autre chose à vous dire, mais je ne me rappelle plus. Donc bah, ce sera pour demain. Voilà, tant pis. Non, je réfléchis, mais ça ne me revient pas. J'ai rien tricoté d'autre. Bon, je crois que c'est tout. Bon. On va s'arrêter là du coup. En tout cas, bah, je suis très contente d'être venue aujourd'hui parce que comme je vous dis, j'ai vraiment pris goût à ces vlogs. Hein, et quand je viens pas vous voir, ça manque. Ça manque. Et bah oui, parce que je peux pas parler tricot chez moi. Donc, enfin, si je peux, mais ils m'écoutent que d'une oreille ou alors ils comprennent rien. Tandis que là, je sais que je suis écoutée puisque les personnes qui sont abonnées à ma chaîne ou qui me regardent, c'est forcément des personnes qui aiment le tricot et qui comprennent de quoi je parle. Et puis bah après ça se ressent dans vos commentaires de toute façon, voilà quoi. Donc j'ai hâte. Et puis bah du coup, vu que j'ai vraiment pris goût au Vlogtober, je pense que je ferai les Vlogmas au mois de décembre. On verra bien, mais je pense, on verra, voilà. Bon, je vous laisse là pour aujourd'hui. On se retrouvera du coup demain. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!